Salut les gens! Est-ce que vous vous rappelez, il y a un an, lors du Tour de France, on montait cette montagne-là. C'est le Puy-de-Dôme. Et malheureusement, il y a un an, quand on est monté en haut du Puy-de-Dôme, on n'a strictement rien vu parce que c'était très très nuageux. Mais aujourd'hui, on voit carrément la pointe du Puy-de-Dôme en fait. On voit l'antenne relais. Du coup, je pense qu'on a une chance de voir vraiment la... Comment ça s'appelle? La chaîne des puits. Donc bon, l'espoir fait vivre, on est de retour. On va voir si on s'en sort mieux cette fois-ci. Mais en attendant, je crois qu'il y en a pour 1h30 à 2h de marche. Donc bon, c'est parti! Bon les gens, c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses commencent. Là, on va réellement grimper la montagne, le volcan du moins. Là, on va faire un peu moins de 2 km et on va prendre 350 mètres d'altitude. Donc bon, autant vous dire que ça va grimper. Ça y est, on a réussi, on est enfin en haut du Puy-de-Dôme. C'est pas sans mal, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Ah, ça va sécher. Niveau transpiration, on est pas mal. Alors oui, faut clairement compter 2 heures. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on y est. Et ce serait rigolo, parce que quand je vois le monde qu'il y a en haut du Puy-de-Dôme, je me dis qu'on était pas autant à se taper le chemin pendant les 2 heures, là. Non, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui prend le train, finalement. Bande de feignants, va. Bon, allez, j'arrête mes conneries, je vous montre les différentes infrastructures qu'il y a au sommet du Puy-de-Dôme. Bon, maintenant que je vous ai bien fait languir en faisant le tour des infrastructures en haut du Puy-de-Dôme, il est peut-être temps que je vous montre un petit peu la vue qu'on a d'ici. Entre la chaîne des puits et Clermont-Ferrand, puis tout ce qu'il y a autour, je peux vous dire qu'on a vraiment une très très jolie vue. Et ce coup-ci, il n'y a pas beaucoup de nuages, du coup on voit très très bien le panorama. Bon allez, je vous fais pas languir plus longtemps, on se fait un genre de 360 autour du sommet du Puy-de-Dôme, voir un peu ce que ça donne. Et pour terminer, la chaîne des puits avec ici au niveau de mon doigt, c'est le Pariou. Derrière le volcan, c'est le puits des Goules. On part un peu plus de l'autre côté. Ici, c'est le puits de Côme. Bon, après, je vous avoue, je connais pas tous les puits, hein, loin de là. Et voilà, les gens, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je suis très content d'avoir enfin pu aller en haut du Puy-de-Dôme et de voir réellement le panorama qu'il y a en haut du Puy-de-Dôme. Parce que la dernière fois, monter 2 heures, alors que c'est assez éprouvant, mais monter et ne rien voir de la vue, être dans le brouillard total, je peux vous dire que l'an dernier, j'avais bien les boules. Mais là, je suis très content, on a une superbe vue. Ça va, il faisait un petit peu nuageux, comme on peut le voir, mais ça va. Globalement, on voit très bien le panorama. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-le moi par un pouce ou par un commentaire, ou les deux si vous voulez. En attendant, moi, je vais redescendre tout ça, puis on se retrouve dans une semaine. Ciao.